On a du travail. Je m'en palèque. Tu veux que je fasse tes devoirs pendant un mois? Hein? Les autres y payent, mais à toi je te le fais gratuitement. Mais casse-toi avec tes devoirs à 2 balles. C'est pas 2 balles, c'est 15 balles. Oh, ce Milan est ton bote. Qui veut faire mes devoirs? Il veut quoi, lui? T'as un problème? Ouh! Personne n'ose lui tenir tête. Ouais, c'est à moi que tu parles maintenant. J'aimerais bien t'insulter, mais la nature l'a déjà fait. Oh, quoi? Toi, quoi? Oh, t'as du caractère? Vache. Oui, je pensais pas. Ouais, cherche la merde, là. Mais t'as pas peur de Michael? Non. On s'y met. Dès que ça sonne, je lui saute dessus, frère. Il va pas se relever. Il peut pas la fermer, lui. Ah, il est chaud. Attends la récré, l'intello. Ça va partir en cours. Octogone. Je vais lui régler son compte. Mais t'es au courant que Michael il fait de la boxe, personne n'ose s'attaquer à lui. Tu crois quoi? Bah avec les filles de la classe, on pensait que t'étais qu'un intello pas intéressant quoi. Bah tu t'es trompé. Ton courage m'impressionne. À la muerte. Michael. Hé hey, l'intello, ton cerveau est un peu comme les bureaux de la sécurité sociale, rarement ouverts. Oh, voilà. Si un jour tu m'arrives à la cheville, pense à fermer la sèche. Parfois je me sens bête, puis je te regarde et je me sens mieux. Oh non. Il est chaud, Non arrête, ça vaut pas le coup. Laisse. Qu'est-ce qu'il fait, l'intello? Oui. Oh, en fait, l'intello, c'est un big boss. Il est grave musclé, wesh. You died. L'intello. Wesh, vous êtes sérieux, là? Ça sonne, toi. Qu'est-ce que tu vas me faire? T'as encore moins de caractère qu'un tweet. Oh, j'aurais pas aimé. Pas d'octogone, s'il vous plaît. Octogone. Tu connais McGregor? On va casser la démarche, frère. Ah si, battez-vous, j'embrasse le gagnant. T'es roux, toi? Hé, doucement, les meufs. Vous vous calmez, hein? Ça va chauffer. C'est des vrais. Tu sens le tech? Ça va partir en haut. Ça sonne dans une minute. Oh non, faut pas que ça sonne. Easy. Je kisse le gagnant. 10 euros que c'est Michael. Tenu, je suis sûr que c'est l'intello qui va gagner. Il s'appelle comment déjà? Je sais pas, l'intello. On va l'appeler le BG. 3, 2, 1. Octogone, tu vas regretter tes paroles, l'intello. Ouais, vas-y. T'as une de ces têtes de gland que même un écureuil la mangerait pas. Oh, tu vas chier dedans, tu crois pas? T'es comme le confinement, personne te respecte. Oh, tu vas pleurer ta mère. Pas de bagarre. Octogone. Vas-y, chasse le veillant. Ça va pas, non? Ça va, si. Tu sais, on ne résout rien par la violence. Si la bagarre résout rien, c'est que t'as pas frappé assez fort. Michael, il a raison, l'intello. C'est normal, c'est un intello, il a toujours raison. Je suis plus intelligent que ça. Tu vas voir. Wow. Esquive de la loutre. On va faire ça encore longtemps, non? Parce que je m'ennuie, là. Allez, mais lui, la raclée, frère. Je t'ai dit d'arrêter. Wow, je veux 12 heures. Francis. Oui. Ça a sonné, tu viens? Oui. Vous savez pourquoi vous êtes là? Oui. Je veux devenir un clasheur. Marre de me laisser faire. Oh ben non. Non, c'est des potes de Michael sortis. Des Michael, il y en a partout dans les couloirs. À nous de montrer qu'on en a marre des étiquettes qu'on nous colle et qu'on n'a pas besoin de la violence pour se faire respecter. Qui commence? Moi. Je t'écoute. Ton prof de PS t'a dit de faire du jogging autour du pâté de maison. Toi, tu manges du pâté en jogging dans ta maison. Ah, pas assez percutant. Tu fais caca dans ta maison. Toujours pas. Mais je sais pas, moi. Tu sais pas, t'en as pas marre que Michael te fasse la misère dans les couloirs? Si. T'as pas envie d'avouer tes sentiments à Julia comme j'ai fait avec Mila? On se laisse plus faire. C'est pour ça que Michael... On parle de moi? Oh punaise, blanon. On t'a pas sonné, Michael. Les intellos qui se regroupent, que c'est mignon. Je suis pas un intello, moi je veux être un clasheur. Quand je t'entends parler, ce que j'entends c'est waf waf. C'est comme ça que tu les vends, frère. C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air d'être brillants avant d'avoir l'air con. La BG. Oh là, décidé à ce moment-là une métaphore. Il y a des gens, c'est comme des pièces. De face, aucune valeur. Je crois que Michael en pince pour Joséphine. Ouais, on peut le coincer. Tiens, tu passes à la meuf intello, s'il te plaît. Tiens, de la part du King Michael. Je m'en fiche. Lis, meuf. Non, je lirai pas. T'as une idée de clash pour lui? Toujours. Pousse-toi. Michael, à ta place. Shrek t'appelle. Il faut que tu lui redonnes son visage. Pousse-toi, je te fais bouffer tes dents. Madame Michael, il... Chut, sinon, faut pas que tu l'attends à la sortie. Francis te défoncera. Alors comme ça, on lit pas mes mots? Ça m'intéresse pas. Ces personnes n'oseraient pas le lire. Hein. Tu crois que j'ai peur de toi? Il t'a bien entraîné, l'autre. Tu t'appelles comment? Je suis dans ta classe depuis la primaire. Je t'ai jamais remarqué. Normal, toi et l'intelligence, vous êtes comme de droite parallèle, vous n'allez jamais vous croiser. Pourquoi non? Tu ne mérites pas de l'entendre, mais je m'appelle Joséphine. Ange gardien? Jamais tu prendras l'initiative d'aller te faire foutre. Faut toujours qu'on tient si de soi autonome un peu. Hé hey Francis, quoi? T'as pas son numéro là, à l'ange gardien là? À toi de lui demander. Vas-y. Hé hey Joséphine. Oui? Rendez-vous cet après-midi pour un après-midi shopping relooking. Comment? Tu vas lui briser le cœur.
Avec plaisir. C'est des débiles ces intellos. Ouais, enfin, il y en a une qui... C'est qui cette bombe? Elle est nouvelle. C'est l'ange gardien. Joséphine, la prochaine fois que tu te moques d'elle, je te jure, je te mets un pain dans la tranche. Ouais, tu la kiffes. Mais non, t'es ouf. C'est qui cette pouffe? Tu te rappelles du plan? Tu te mets à côté de lui, en classe, et je le séduis. T'as tout le club des intellos qui compte sur toi. Sortez, vous êtes. Je suis pas un intello, moi, je veux être un clasheur. Pousse-toi. Oui, putain. C'est pas toi qui vas me donner des ordres. La victime. Vous êtes vraiment ma pire classe. Pourquoi ce changement de look? Je sais pas, j'avais envie de moins faire intello. T'étais plus belle en intello que toutes ces meufs surmaquillées pleines d'artifices. Vous allez faire un exposé par deux la semaine prochaine. On se met ensemble. Faites les groupes maintenant. Ouais, ça fait chier. Ok, chez moi samedi après. Il habite juste là. Il en a une belle baraque, le salaud. T'as compris le plan? Oui, oui, mais là, il risque de nous voir parler à travers sa fenêtre. S'il vous voit tous, il va tout de suite comprendre. Mais non, t'inquiète, il est con. Il est pas si con que ça. Il est même très intelligent. Yangui Souroche. Tu tombes pas amoureuse de lui, hein? Aucun risque. Tu oublies qu'il emmerde plein d'élèves depuis la maternelle et qu'il leur fait du mal. Vous avez raison. Faut lui montrer qu'on est plus fort. Il est là, planquez-vous. Ange gardien? C'est Joséphine. Entre. Tu peux enlever ta veste, hein? Je préfère la garder. C'est la première fois que tu viens chez un mec. Bon, on se met au travail. T'as jamais embrassé de mec, alors? Bon, on choisit quelle hauteur pour l'exposer? J'en connais pas. Donc c'est toi qui choisis. Alors je t'avoue que mon préféré, c'est Alfred de Musset. Alfred, mais c'est quoi ces blases? De Musset, c'est un poète au lyrisme intense qui va chercher son inspiration dans l'exotisme et le pittoresque. Chinois deuxième langue, c'est ça? Enfin voilà, j'aime beaucoup. Et il a une femme? Oui, il a été amoureux de George Sand, une femme de poigne. Et ils se sont écrits beaucoup de lettres d'amour. C'est plus ça aujourd'hui. Non, on prend pas le temps. Bon, cherchons notre cher Alfredo de Musset. Ah, mais c'est qui trompait Georges Sand, le charo? Mais non. Pauline Garcia qui a même pas voulu de lui. Non, c'était après. Donne le manuel. Et toi, tu veux de moi? Non. Je rigole, une intello, ça va pas, non? Je pourrais te passer mes week-ends à réviser, hein. On ne fait pas que ça, donne-moi le manuel. T'as vu, tu peux pas t'en passer? Mais si, mais Michael. Viens le chercher. Je t'écoute. Je les ai vus, ils allaient faire un bibi. Joséphine, elle s'est mise sur lui direct, elle allait l'embrasser. C'est honteux. Il y a une grosse anguille sous la roche. Oui. Bonjour la team. Elle a fait des choses pas très catholiques. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne fais plus partie du club des intellos. Quoi? L'anonyme t'a vu. J'ai vu des choses, j'étais choquée. Ah, il a vu quoi? T'étais au-dessus de lui, t'as failli faire un bébé. Mais ça va pas, et pourquoi tu nous épiais? Tu devais lui briser le cœur, pas tomber amoureuse de lui. Mais je suis pas amoureuse. Mito. On t'a demandé de suivre un plan. Mais je le suis, Arrête de nous mentir, t'es amoureuse de lui. Non. Mais bien sûr qu'elle est amoureuse. Il est pas ce que vous croyez, il est drôle, intelligent. Drôle, il casse la gueule aux intellos. Et pourquoi tu as retrouvé ton look d'avant? Parce que figurez-vous qu'il m'apprécie comme je suis. Et c'est le premier à le faire, visiblement. Oula, clash d'intello. Je n'aimerais pas être dans ta tête actuellement. Parce que j'ai peur du fit. Je te considérerai comme mon ennemi le jour où tu diras devant moi ce que tu dis dans mon dos. En attendant, tu n'es que mon fan. Ta bêtise glisse sur mon intelligence. J'y peux rien si mon doigt du milieu fait des gestes déplacés. Après tout, il est majeur. Oh, l'élève a dépassé le maître. Je te souhaite beaucoup de bonheur avec ton Michael. Hé, l'ange gardien, ça va? Non, j'ai perdu mes amis. T'as enfin quitté la secte? Écoute, je préfère ne plus te parler. Pourquoi? On doit arrêter, tout simplement. Mais t'as pas à faire ça, y'a personne qui doit dicter ta conduite. Tu fais ce que tu veux. Tu veux venir avec moi après les cours, là? Je vais te changer les idées. Bon, ok, mais pas longtemps. Ça roule, à tout à l'heure. Ne craque pas, c'est pas un rencard. Mission repérage lancé. Pas de raison de craquer, c'est qu'un connard. Hé, l'ange gardien. Salut. Tu viens t'asseoir, je vais te changer les idées. Pas longtemps, hein. T'as peur d'une troupe d'intello ravagée? Non, mais sérieux. Oui, bah, ce sont mes amis, je les laisserai pas tomber, quoi qu'il m'en coûte. T'es prête à laisser tomber ce qu'il y a entre nous pour le club des intello? Mais de quoi tu parles? Y'a rien entre nous. J'en étais sûre. T'appelles ça rien, toi? Il s'est pas passé un truc chez moi samedi, genre? Non, il s'est rien passé, y'a pas de truc. Ah ouais, tu prends comme ça. Pourquoi t'es venue alors? Je sais pas, je... Tu me kiffes, avoue-le. Bon, tu sais quoi, je parle pas avec un harceleur. Moi, je perds mes amis à cause de ça. Ça s'embrouille. J'ai été harcelée. Quoi? Hein? Il y a 4 ans au collège, on m'a mis plus bactère. J'ai fini par dire stop et je le fais payer à tout le monde. Hein? Le scoop! Eh ouais, moi aussi j'étais victime d'harcèlement. J'ai décidé de me battre. Mais alors pourquoi tu le fais vivre aux autres? Je suis pas un connard. Je suis juste quelqu'un qui veut une justice. Oh bah si, t'en es un connard. C'est dégueulasse, c'est pas de leur faute. Et aujourd'hui, ma justice, c'est toi. Moi? La tchatche de malade, faut que je prenne des notes. T'es la seule fille qui n'est pas superficielle à m'intéresser, à m'intriguer. Moi-même, je suis choquée, il est un télo, quoi. Il va se la faire, le salaud! Qu'est-ce que c'est? Oh putain, je vais me faire cramer! Oh putain! L'anonyme? Non, c'est pas moi. Tu vas prendre cher, gros tubé. Non, arrête! Ne me fais pas de mal, moi, besoin d'argent pour nourrir bébé. T'as pas de gosse, si tu... Lâche-le, Michael. Écoute, Jojo, voix de la sagesse. Aïe. Malade, va. Super puissance. Ah, l'anonyme. Pouah, espèce de porc.
Michael! Le BG. Michael, reviens! Michael. Son état est stable, mais il n'est pas hors de danger. L'odeur qu'il a sentie l'a plongé dans un état grave. J'aurais jamais dû m'embarquer dans vos histoires de vengeance. Il n'y a qu'un seul responsable. Oh les gars, c'est pas moi! Comment t'as fait pour qu'il se retrouve dans cet état? J'ai utilisé ma super puissance de clasheur. T'es pas un clasheur. Oh, flûte! Mais ça se trouve, il se réveillera jamais, idiot! S'il ne se réveille pas, c'est que c'est pas un BG. Messieurs, dames, bonjour. Oh putain! Bonjour, inspecteur. Qu'est-ce qu'elle fout là, la Condé ? Inspecteur Godiche, j'aimerais m'entretenir avec le club des intellos. Le rapport me dit que ce sont eux les responsables. Je suis dans la merde. C'est pas le club des intellos, c'est lui. Non, mais moi je suis pas un intello, j'ai 4 de moyenne. C'est l'anonyme, je suis témoin. L'anonyme ? Y'a personne de ce nom-là ici. Venez avec moi, jeune homme. Oh putain ! Restez là où je vous menote. Ok, ok, assumons. J'ai quelques questions à vous poser. Déjà, l'anonyme, c'est quoi votre nom ? L'anonyme. Vous avez bien un nom. Et vous avez bien 06, je vous le demande pas. Vous avez un problème, non ? Non. Pourquoi vous bougez comme ça ? Et moi, je vous demande pourquoi vous puez de la bouche ? Ça va être compliqué, là. Racontez votre accident. Quel accident ? Ah, parce que vous êtes né comme ça ? Depuis quand avez-vous rejoint le club des intellos ? Depuis que je veux être un super clasheur. Qu'est-il arrivé à Michael ? Rien, c'est pas moi, c'est Francis l'intello. C'est pas ce qu'on me dit. Donc soit vous me dites la vérité, soit je vous embarque au poste. Ne m'embarquez pas, moi, besoin d'argent pour nourrir bébé. Vous me demandez de l'argent ? Oh punaise, c'est vrai que j'ai un condé en face. Qu'est-ce que vous avez fait à Michael ? S'il ne se réveille pas, je vous embarque. J'ai utilisé ma super puissance. Pardon ? Je mange tous les jours à McDo. Mon sulfure d'hydrogène est plein de Big Mac et de nuggets. Il en est tombé. C'est quoi la super puissance ? J'ai pété. Vous vous moquez de moi, l'anonyme ? Non, vous voulez tester. Écoutez, s'il ne se réveille pas, je vous embarque. Vous comprenez ? Je vais aller le réveiller, moi. Je vais le réveiller, sinon je vais en tôle. Non, je t'interdis de le toucher. Tu crois que t'as pas fait assez de dégâts comme ça ? Je répète, code rouge, il va faire une connerie. Préparation ! Code rouge ! Ah ! D'où qui pue donc tant ? Code rouge, on a un malade. Michael, je vais aller en tôle. T'as quand même pas cru qu'il allait se réveiller avec ton haleine pourrie ? Bah si, j'ai réveillé un mort avec cette technique. Michael, il a réussi, le con. Cher. Il s'est réveillé ? Tu doutais de ma super puissance ? Un qui se réveille, l'autre qui se rendort, va falloir me payer. Mais qu'est-ce que tu m'entends ? Pousse-toi, la gros. Oh, j'ai eu trop peur. Je t'aime. Moi aussi. Merde, vous allez pas nous faire un bébé, hein ? T'as vu, je t'avais dit qu'elle était amoureuse, quelle influence, Michael ! Je l'aime pas non Sois plus. Sois pas aussi négative. Il a harcelé la moitié du lycée. Tout le monde peut faire des erreurs, il faut seulement savoir pardonner. Regarde où cette haine nous a menés. Il m'a tapé dans les toilettes l'année dernière, je pardonne pas ! L'homme descend du singe, le singe descend des branches, toi vu ta tête, t'as dû louper toutes les branches. Il s'est réveillé en super clasheur, mon père a des pouvoirs ! Nos conflits nous ont prouvé que peu importe qui nous sommes, qu'on soit un télé, peu importe l'étiquette qu'on nous donne, on mérite tous le respect. Tu as raison. Détruisons le club des intellos. Mais moi, je veux toujours devenir un super clasheur.